Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 3 et 4. D'approduire un texte injonctif sur l'éthique. Page 102. Donc, la production de l'écrit, produire en quatre lignes au moins, un texte injonctif se rapportant aux technologies de l'information et de la communication. Produire un texte, maintenant nous j'y sois nas, min arbat astor, un texte injonctif liando wahtaba wasfi. لأن un texte injonctif اللي فيه أوامر وفيه نواهي se rapportant aux technologies يتعلق بالتكنولوجيا التقنيات de la communication et de l'information et de la communication تقنيات إذن j'observe et je découvre نبدأ بهذا ولاحظ واكتشف نقراوها النص ان بير دي ا سون فيس اذا واحد الاب يقول لابنه كيقول لولدو كيجو تو لو طون افيك سون بورتابل كينصح ولدو ولا كيتكلم مع ولدو اللي كيلعب طول الوقت بالبورتابل ديالو بالهاتف ديالو مي طون بورتابل دو كوتي دان ضع هاتفك جانبا في attention انتبه à ceux qui te parlent انتبه لهؤلاء لهاد الناس اللي كيتكلموا معك écoute-les et regarde-les dans les yeux سمع لهم وشوف في عينيهم لأن غالبا احنا من كيكون شي واحد كي مشغول بالهاتف فخاك تتكلم معاه ولكن عينيه ما كيشوفش فيك عينيه كيشوف في البورتابل ديالو اذا كيقول له شوف فيه ملي يكون كيتكلم معاك شي واحد شوف فيه وانتبه ليه مزيان il y a une application pour ça كاين واحد التطبيق لهذا c'est le respect des autres واحترام الاخرين Donc je lis le texte, j'observe l'image et je réponds aux questions. Il y a une autre sora, Il parle dans ce texte, un père, c'est un père qui parle dans ce texte. À qui parle-t-il? Il parle à son fils. Que lui dit-il? Il lui dit des conseils qui gouvernent. Il lui donne. Deuxièmement, j'observe et je découvre. J'entoure la bonne réponse. Il est ouhid, l'ijaba sahiha. Il le félicite. Il lui donne des conseils. Il le punit. Il le félicite. Il lui donne des conseils. Il le punit. Yu'aqibu. Il lui donne des conseils. À quoi commence chaque phrase? Bimada, tebtedi kullu jumla. Lahid, mets ton portable. Iden, kin met. Fais attention à ceux qui te parlent. Écoute-les et regarde-les dans les yeux. Donc, la phrase commence par une majuscule, elle commence par un verbe aussi, et une majuscule.
À quel temps sont conjugués les verbes de ces phrases? Mais. Donc, ils sont conjugués à l'impératif présent. Fais, l'impératif. Écoute, c'est l'impératif. Troisième question, toujours, dont j'observe et je découvre, comment est ponctué ce texte? Les phrases se terminent par des points. Par des points et des points d'exclamation. Des points d'exclamation qui te parle aussi, fais attention à ce qui te parle. Point d'exclamation. Donc, la phrase impérative et se termine par un point d'exclamation ou bien un point. À mon tour, je donne deux conseils ou trois conseils à mon frère pour l'aider à faire ses devoirs. Angulo, révise bien tes leçons et fais tes devoirs. Réfléchis avant d'écrire. Pour réussir tes examens, je te conseille de faire tes devoirs. Je m'entraîne, mon camarade me dit, tu sais que moi, le portable, internet, la télévision, tout cela ne me dit rien. Je préfère la lecture des livres. Je rédige un texte. Pour lui montrer l'importance de technologie dans la vie d'aujourd'hui, lui conseiller d'en user sans tomber dans la dépendance. Je fais le plan de moyens de mon texte. Je fais le plan. Je recense les avantages, les avantages et les inconvénients. Mahassin wa masawi. Iden rendir le plan dire nas bil mahassin wa masawi de l'emploi des techniques d'information et de communication. Mais c'est oui, une machine qui est l'éthique. L'éthique, c'est l'abréviation de la technologie d'information et de communication. Rangoul Fernandes, ces moyens de communication sont très importants dans notre vie. إذن هذه الوسائل هذه مهمة في حياتنا اليومية في حياتنا الخاصة privée et professionnelle في حياتنا الخاصة والمهنية car ils ont rapproché les gens لأنها قربت الناس et grâce à eux وبفضلها tu peux faire des recherches ممكن دير بحوث échanger des idées, ممكن تتبادل الآراء مع الآخرين, faire des achats, ممكن تقوم بمشتريات, et payer des factures, وأيضا أن تؤدي فاتورات. Il faut savoir
فيك تعرف يجب أن تعرف comment et quand utiliser ces moyens. كيف تستعمل هذه الوسائل. Sois prudent. إذن بيبي et ne tombe pas dans la dépendance. Voilà, ça se retrouve العبودية لهذه الوسائل. Utilise-les pour les recherches. واستعمل هذه الوسائل فقط للبحوث. Ne les abuse pas. ولا تهين هذه الوسائل. إذن هذا هو نص ممكن نستعمله ونكتبه. وأخيرا je m'exprime au appel. Je rédige un premier jet que je présente au professeur. Puis je le reprends pour le remettre en compte tenu des observations du professeur. إذن أنا أعطيه الأستاذ قدمه لي ممكن دير هذا النص هذا نكتب لكم أنا غادي نكتب النص. L'utilisation des technologies d'information et de communication facilite la communication. C'est bon de lire les livres, mais fais des recherches sur Internet pour développer. استعمال هذه الوسائل يسهل الاتصال. C'est bon de lire مزيان تقرا دي ليفر. Mais fais des recherches ou des sur Internet, pour les pour développer tes compétences en informatique. Évolue-toi en fonction de la technologie. Est-ce qu'il fait partie de notre société? Je te conseille de suivre ce mouvement. Montre aux autres comment utiliser l'éthique. Mais attention, ne partage pas tes informations. Ne partage pas tes informations personnelles avec n'importe qui sur Internet. Voilà, ça sera ça, automatique. Mais il y a l'Internet. Protège ta vie privée. وحمي حياتك الخاصة. إذن نأتي إلى نهاية صفحة 102. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والدعم لي.